Yeah, okay, Ralph. Appointment is at 3 o'clock. Okay, yep. Oh, yeah, we'll talk about business. Absolutely. Well, thank you very much. Okay, well, see you later. Okay, bye. Appointment, talk business, see you later, alligator. Regarde un petit parler d'anglais, toi. Ben oui, qu'est-ce que tu... J'ai un vrai 254-6011. C'est qui le bloc? Un Américain arrogant. Un Américain arrogant. C'est un pléonasme, ça. Ouais, c'est vrai qu'Américain arrogant, c'est répéter deux fois la même chose. C'est comme dire monter en haut. Descendre en bas. Ou... La blonde me tombe sur les nerfs. Ou mon épouse qui m'obstine tout le temps, chaque fois que j'ouvre la bouche, je vais pouvoir me contredire, se sentir supérieur. Oui, ça venait du fond, ça. Mais ça. Mais là, c'est qui ça, ton Ralph? Ralph pourrait être notre premier contrat aux États-Unis. Ah, oh, mon pauvre François. Tu rêves encore au State, toi, hein? Hein? T'es vraiment le Elvis Gratton du web, toi. Hey, les Américains, ils l'ont-tu, l'affaire, les Américains, hein? Hey, j'ai une page web, une grosse page web. Arrête, écoute bien, le New York, la Californie, c'est les ligues majeures, là. Ouais, Montréal aussi. François, fais pas comme la grenouille qui voulait être aussi grosse qu'un œuf. Tu veux dire un bœuf? Oui, un œuf, un bœuf. De toute façon, la morale, c'est que la grenouille a explosé. C'est une fable, c'est une grenouille, ça explose pas. Hein? Donne-moi une cigarette et une grenouille, toi. Non, pense-y, là, ça commence à avoir des contrôles au bord des lignes, là, ça va dire des nouveaux défis. Des défis techniques? Défis romantiques. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Ben oui, il y a dans ça, mais... Hein, voyage d'affaires égale hôtel. Hôtel égale bar d'hôtel qui égale... Pitoune de bar d'hôtel. Now you understand. Okay. Pendant que tu t'occupes de l'oncle Sam... Toi, tu crouses la matante de l'oncle Sam. Ah, c'est bon. Mais oublie pas qu'on a des sites prestigieux, nous aussi. Ah oui, c'est quoi tu travailles? Là, je travaille sur une page pour les cabanes à sucre du Québec. Whoop-dee-doo. Non, non, je te dis, François, on a le monopole du sirop d'érable au Québec. C'est notre pétrole, ça. C'est de l'or blond qui pousse dans les arbres. Alex. Je sais, je suis brillant, mais ça aussi, c'est un pléonasme. Tiens, regarde. Le dessin pour le client? Oui. Une fois décoré, la chambre va ressembler à ça. T'aimes ça? Ah! Est-ce que je peux être franche? Non. Non? Non, je l'ai déjà montré au client, donc on n'a pas le choix. T'aimes ça. Ah! OK, bon, ben dans ce cas-là, non seulement j'aime ça, mais wow! Wow! J'adore ça! Sérieusement, là, tu l'aimes pas, le dessin? Je comprends pas ce que t'as essayé de faire, là. T'as mis des faux dragons avec du bambou puis une grosse boule disco. Ben oui, c'est la fusion du look asiatique et du disco rétro. On dirait un club gay qui a explosé dans un buffet chinois. Le client aime ça. Le client a pas de goût. Parce que s'il y avait du goût, il la décorerait tout seul, sa chambre. Donc, on n'écoute pas le client. Non, en décoration intérieure, la règle numéro un, c'est le client a toujours tort. Ah non, non, regarde, Julie, le client a toujours raison et là, le client a dit oui. Puis en plus, c'est ma décision, hein? C'est ma compagnie. Pardon? Ta compagnie, on n'est pas partenaire 50-50? Non, c'est moi qui l'ai partie, puis toi, tu travailles pour moi. Je travaille pour toi. Ben oui. Huh. OK. J'avais pas vu ça comme ça. Mais bon, ma belle Doriane, puisque c'est comme ça, et je sais ce qu'il me reste à faire parce que c'est pas vrai que tu vas être ma boss. Hey, Julie, ma chouette, que tu le veuilles ou non, c'est moi ta boss. Puis si t'es pas contente, ben la porte est là. Elle a pas de patio, en tout cas. Salut, c'est moi. Salut! J'ai cru entendre l'amorce d'une chicane, là. Doriane, ma belle, Julie, ma chouette, c'est quoi le problème? Gars, Sylvain, on va régler ça entre nous. Vous allez vous battre? Mais non, on n'est pas des gars. Oh. C'est vrai, vous êtes des filles, t'sais. Bon, ben, je vous laisse bouder. Puis, comment ça s'est passé avec ton Américain? Un flop. Il voulait nous engager des pinottes. Ah!
Now you understand? Pour eux autres, le Québec, c'est le tiers-monde. Pourtant, on a eu les Olympiques en 76. Ils ont bien vu qu'on était un pays développé. Ils ont surtout vu un stade qui est à moitié fini qui avait l'air d'un bol de toilette. Regarde, j'ai peut-être un autre contrat pour toi. Ah ouais, qui? Ben, c'est une Américaine qui fait des sites web pour des partis politiques, puis là, elle est débordée, elle voudrait se contracter une couple de contrats. Ça pourrait être intéressant. Mm-hmm. Attends une minute, as-tu dit une Américaine? Pas une de tes ex-conquêtes, ça? Disons que j'ai eu l'occasion d'envahir son territoire, ouais. Mais tu t'es fait expulser? Oh non, 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 elle voulait une occupation à long terme. Mais avant qu'elle puisse t'annexer... C'est avec tristesse que j'ai quitté ces régions montagneuses. Mais on est encore en bon terme, hein? Ça t'intéresse-tu? Bien, certain. On a montré aux Américains au Québec qu'on peut exporter d'autres choses que des 2x4 et des chanteuses de Charlemagne. Oui, mais... On va travailler avec un parti républicain du Texas. Pardon? Hmm? Des républicains du Texas? Pas en tout. Je veux rien savoir. Pas question que je travaille avec du monde qui trippe sur George Bush. Tu travailles bien avec moi. Et? Ben. Tu me niaises. Non. Arrête, t'es pas drôle. Je niaise pas. T'aimes George Bush? Bien sûr. OK, ils sont où les Kodak, là? Il est où Marcel Béliveau, là? C'est surprise, surprise? Ben, ça fait 10 ans que ça n'existe plus, juste surprise, surprise. J'en reviens pas. Oui, j'ai droit à mon opinion. Oui, mais pas celle-là. Quand tu me dis que t'aimes George Bush, c'est comme si tu m'annonçais que... Que tu m'annonçais que t'aimes George Bush. C'est aussi bizarre que ça, là. Mais là, on va pas chicaner pour ça, là. Non. Bon, à Boud. OK, on va aller régler ça dehors. Hein? On va te montrer que George Bush est un parfait imbécile, pis ça, c'est un pléonasme. Fais le Pourquoi ça te dérange tant que ça que je défende George Bush? Parce que ça montre que t'as aucun jugement. S'il est si mauvais que ça, comment ça se fait qu'il ait été réélu? Hein? On peut pas se fier au vote populaire, sinon Wilfred, c'est le premier ministre. OK, donne-moi un exemple. Comment ça se fait qu'il est si mauvais que ça? La guerre en Irak, la peuphonie, ça? Au contraire, c'est ça qui est brillant. Brillant? Oui! À cette heure, tous les pays du monde savent que Bush, c'est un malade. Il peut attaquer n'importe où, n'importe quand. Fait qu'ils se tiennent tranquilles. Puis, ils donnent bonne réputation au pays aussi. Les États-Unis? Non, au Canada. Tout le monde entier, là, hein, nous admire parce qu'il y a quelqu'un dans notre gouvernement qui a traité George Bush de moron. Sais-tu qu'est-ce que t'es, toi? T'es un maso de la politique. Si Bush était une femme, là, tu lui demanderais de s'habiller en cuir, de t'attacher avec des menottes puis de te fouetter. Julie, fais-le toi-même. Après tout, c'est ta compagnie. Julie? Non, c'est ta compagnie, donc c'est ton téléphone. C'est peut-être un client. Tu veux dire ton client? Réponds, c'est toi le boss. Julie? Oui, boss. Ben, réponds. Je fais la grève. Et c'est ridicule. Solidarité! Réponds. Non! Salut, c'est moi. C'est... Ça sonne. On le sait! Sylvain peut répondre à ta place. T'es déjà prêt à engager des scabs, hein? Peut-être juste prendre le message, hein? Non! Hé, hey, là, ça va faire. Viens sur le patio, on va se parler. OK, parfait. Ça, là, ça s'appelle un lock-out. Sylvain répond. Ah ben, je suis pas un briseur de piquette, moi, là. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Ça fait une demi-heure que tu fais cette face-là. Je suis encore sur le choc. Pourquoi? Apprendre que mon meilleur ami admire George Bush, là, c'est comme... C'est comme si j'apprenais que ma femme me trompe. Tant que ça? Pire, c'est comme si j'apprenais que ma femme me trompe avec mon voisin Sylvain. Je comprends bien, je te déçois.
Oui, beaucoup. Ben, je suis déçu que tu sois déçu. Ben, moi, je suis déçu que tu sois déçu que je sois déçu. Ben, moi, je suis un déçu de plus. Rien de plus pour moi. Mais oui, tu voulais un contrat aux États-Unis, j'en ai pas nié au Texas. Hey, regarde, il n'y a pas question qu'on deal avec du monde qui admire George Bush, c'est tout. C'est payant. Payant, mais nocif. C'est comme si on vantait les mérites de la gonorrhée. Bon, OK, mais je vais m'en occuper de seul. Non, on ne prendra pas le contrat, c'est tout. OK, go. Je t'impose rien, tu m'imposes rien. Hey, c'est ma compagnie. Pardon? Ben, la moitié. L'autre moitié, c'était qui? C'était moi. Tu te souviens ce qu'on s'est toujours dit, Alex? Le jour où on s'entendrait plus, on s'en irait chacun de notre bord. Ouais, ça n'a pas de l'air qu'on s'entend. Ça n'a pas de l'air. Qu'est-ce que tu fais? M'en vais de mon bord. Julie, qu'est-ce qui se passe? C'est Dorian qui, soudainement, sorti de nulle part, s'est déclaré ma boss. Hein? Est-ce que c'est vrai, ça, Dorian? Bon, OK, je suis pas ta boss. Je suis désolée, je disais ça parce qu'à un moment donné, dans une compagnie, il faut que quelqu'un prenne une décision. Puis nous, on est toujours en train de s'obstiner. Je suis capable d'en prendre des décisions. Des bonnes décisions. Mais, c'est vrai, est-ce que là, t'as pas... Ah, c'est... Non, mais c'est parce que... La porte patio... Bon, OK, vous êtes des collègues, des amis, là, il y a moyen de s'entendre. Bon, écoutez-moi bien. Pourquoi on devrait t'écouter? Parce que je suis un expert en relations interpersonnelles et en résolution de conflits. Bon. Depuis quand? Depuis que j'écoute Cornemuse. Cornemuse? Ouais. Et tu nous niaises, là? Non. L'autre jour, j'écoute une émission, puis il y avait une situation qui ressemblait pas mal à la vôtre. Il y avait le petit singe, là, qui s'était chicané avec la ratonne laveuse. Oui. Ah, ça tournait en rond. Chacun avait son opinion. Chacun avait sa position, là. Ah, puis là, blablabla. Ça va, on a compris, Sylvain. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour trancher? Ils ont joué à roche-papier-ciseaux. Franchement, on peut pas gérer une entreprise avec roche-papier-ciseaux. Pourquoi pas? Hein? La sagesse sort de la bouche des enfants. Hein? Dans ce cas-ci, c'est plus de la bouche des adultes déguisés en singes, là. Mais... Ça n'a pas de bon sens. Ça t'aurait du bon sens, tu sauras. Aux États-Unis, là, hein, il y a des ateliers là, pour les chefs d'entreprise, là, puis ils s'inspirent des leçons des émissions de télévision pour enfants. Hein? Moi-même, là, quand je sais pas quoi faire entre une affaire et l'autre, là, ben, je fais ça. Tu le fais avec qui? Avec moi-même. Non, mais regardez, c'est facile, là. Hein? Toi, t'as tes arguments, puis toi aussi, t'as tes arguments, là. Il y a une impasse, et hop! Roche-papier-ciseaux! Non. Regarde, nous, on est une entreprise sérieuse, là. On se mettra pas à agir comme des enfants. Ah, OK. Parce que bouder, c'est pas agir comme des enfants. Hein? Ben, regardez, là. Y a-t-il un contrat qui vous agace, là? Oui, là, on a le contrat des Tremblay. Là. Moi, je veux commencer par le salon parce que c'est plus facile. Bon, moi, je veux commencer par la chambre des enfants parce que c'est plus fun. Bon, alors, il y a une impasse. Roche-papier-ciseaux! Ben, pourquoi pas? Bon, là, en autant qu'on se décide, là. Allez. Bon. Salon ou chambre d'enfants? OK. Roche-papier-ciseaux! Oui, c'est moi! C'est moi qui décide! Roche, papier, ciseaux. Là, le papier, enveloppe, le ciseau. Qui gagne? Ma main gauche, 27 à 0, toi. 27 à 0? Ben oui. Roche, papier, ciseaux. Ah, le papier se fait défoncer par la roche. 28 à 0. Sylvain, hein? Ça tente pas de laisser ta main droite gagner? Ah, ben, je suis pas un tricheur, moi. Hey. Hey, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta visite? Oh, t'as pas l'air affilé, toi. Non, c'est parce que je viens de me pogner avec mon meilleur ami, là. Mais non, on n'est pas en chicane, mon petit François. Non, je veux dire, mon autre meilleur ami, Alex. Ah, regarde, Alex. Ben oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, une connerie. Là. C'est parce que je viens d'apprendre qu'il trippe sur George Bush, puis j'arrive pas à dealer avec le fait que mon meilleur ami, mon autre meilleur ami, admire un imbécile. Ben là, tu sais, hey, est-ce que je peux te laisser profiter de ma sagesse?
T'as une sagesse, toi. Ah ben oui, moi je suis un expert en relations interpersonnelles et en règlement de conflits. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Comment tu réglerais le problème entre Alex et moi? Hein? Moi, je ferais comme dans l'émission Macaroni tout garni. Laisse faire. Okay. Non, non, non. C'est une émission remplie de sagesse, ça, François, tu sais. La preuve, c'est que dans Macaroni tout garni, là, t'as jamais vu le petit chien puis ses chums avoir des chicanes pour la politique, hein? Sais-tu pourquoi? Parce que les chiens parlent jamais de politique. Bingo! Fais pareil avec Alex. C'est pas si simple que ça. Là, on court après des contrats avec des politiciens américains, là, puis ça se donne qu'Alex et moi, on a deux visions complètement différentes de sa politique américaine. Fait que... Changer de pays. Changer de pays. Ben oui, changer de pays, tu sais. Il n'y a pas juste les Américains qui peuvent vous donner des contrats de prestige, là. Tu sais, il y a l'Angleterre, la France, l'Asie... L'Asie, c'est pas un pays. Oh, ben, ben tu gosses sur des détails, là, tu sais. L'important, là, c'est que vous trouviez un terrain neutre. Tu comprends-tu, ça? Hein? Comme ça, tu ménages la chèvre puis le chou-fleur. Tu veux dire le chou? Non, le chou-fleur, j'aime mieux ça. Le chou, ça me donne des gaz. On met-tu des stars ou des rideaux? Des stars. Des rideaux? Roche, papier, ciseaux! Oh, Julie, c'est ridicule. On a quel âge? Ben, moi, quand je me fais croiser, je dis que j'ai 25 ans. Salut! C'est moi. Puis, comment va ma méthode? C'est pourri. Non, c'est rendu qu'on joue à roche-papier-ciseaux à chaque 5 minutes, là, ça marche pas partout. C'est pas compliqué, faut juste peaufiner la recette. Bon. Qu'est-ce que tu vas nous sortir, là? Passe-partout? Ça, les gobelets? Ben non, les sentinelles de l'air. Bon, les marionnettes à fil, à cette heure. Non, non, non. Mais dans les sentinelles de l'air, là, t'as toujours un pilote puis un copilote. Hein? Mm-hmm. Bon. Et? Mais quand c'est les contrats à Dorian, là, c'est elle qui décide de tout, puis toi, tu l'écoutes. Mm-hmm. T'es sa copilote. Ah, oh, puis quand c'est mes clients, vice-versa? Exactement. Comme ça, chaque projet a une vision claire avec je suis un boss. Ah, ouais. Ça me semble être un compromis assez juste et logique. Oui, je suis d'accord. Merci, Sylvain. Pas de problème, Lady Penelope. Je pense que j'ai trouvé la solution. Je oute. Est-ce que tu regardes Macaroni tout garni? Hein? Bon, j'espère. Regarde, c'est pas compliqué, là. On parle plus jamais de George Bush ni de la politique américaine. Oh, mais tes rêves d'expansion? Je sais trouver un autre pays. Un qui partage nos mêmes valeurs communes. Genre la France. J'adore la France. Quoi que j'aille les Français, avec ça. Ah, mauvaise idée. L'Angleterre? Ah, moi, j'aime bien l'Angleterre. Moi, j'aime pas les Anglaises. Pourquoi? As-tu déjà vu les filles qui tiennent des pubs en Angleterre? Toi? Non. On dirait des bulldogs avec du rouge à lèvres. Trop d'idées? Je sais pas trop. Ah! Ah! Je pense que j'ai un flash. Mmh. Vas-y. Un pays qu'on connaît très bien. Qui est pas loin d'ici, qui partage nos mêmes valeurs social-démocrates. Quel pays? Le Canada! C'est parce qu'on est au Canada. Oui, mais avoue que l'Ontario, c'est un autre pays. C'est un fait. On a juste à se pogner une coupe de contrat à Ottawa. Quoique pour tes conquêtes romantiques. Quoi? Ben là, à Ottawa, si tu vas aller le soir pour croiser les belles filles. On va faire comme tout le monde, voilà. Ouais. Okay, Stephen, great. Yes, our appointment is at 3 o'clock, and we'll talk about business. Absolutely, go Maple Leafs, go! Yes! Oh, see you then! Bye-bye! Ah ben, Colin, tu parles canadien-anglais? Ben oui. Pas compliqué, c'est blah, 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 Brian Adams, blah, 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 Don Cherry, blah, blah, blah. Ben, laisse-moi essayer, blah, 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 Blue Jays, blah, 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 Wayne Gretzky, blah, 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 Anne-Marie, blah. Now you understand. Bon, là, il faut monter un site pour l'organisme One Canada. One Canada? C'est un parti hyper fédéraliste, ça. Ben oui, puis. T'es pas souverainiste, toi? Non. OK. Là, tu vas travailler pour des blokes qui se sortent de nous autres puis qui veulent juste nous assimiler? Ils veulent pas nous assimiler. Voyons donc, t'es complètement dans le champ. Tu sais...
on va pas recommencer, là. Ben, ça a bien l'air. J'ai une solution. Laquelle? Roche, papier, ciseaux. Bonne trou, bébé. Non, non, on va régler ça comme des hommes. Hein? Tu veux te battre? Pile ou face? 4 de 7. Pile. Oh. Hey, ça marche super bien, la technique de Sylvain. On se chicane plus? Oui, ça fait du bien. Hein? Là, je me demande comment on va faire pour déterminer à qui va aller le prochain client? Ben, le prochain client qui va appeler, c'est toi qui réponds en premier, c'est ton client. Excellent. Hein? Je vais répondre. Non, c'est bon, je vais. Oui, je l'ai. Mais non, c'est bon, je vais répondre. Je l'ai. Roche, papier, ciseaux. Ciseaux, c'est good. C'est moi, c'est moi de réponse. Allô? Oui, Sylvain. Ça marche super bien, ton truc.